Ah, voilà. Aucun signe du dragon pour le moment, mais tout porte à croire qu'il était ici. Je sais que... Il n'y a plus que deux gardes sur quatre. Ou cinq. Mais nous devons découvrir ce qui s'est passé. Et si ce dragon rôde... Tout la musique. Ah, putain. Et partez à la recherche d'éventuels survivants. Nous devons savoir à quoi nous avons affaire. D'ailleurs, moi, je vais prendre mes meilleures flèches. Tenue, potion, parchemin, arme. Flèches, elles font 8 de dégâts. Celles-là, elles font 10. Celles-là, elles font 12. Et ben voilà, on va pas chercher plus loin. On va prendre des flèches orques. Si je peux les tirer. Ah, stylé le... Bonjour. Vous êtes bizarre, vous. Oui. Ah d'accord, ils sont juste... ok. Yeah bébé. Allez viens mon gros. Ça n'a aucun sens ce qui est en train de se passer. Mesdames et messieurs. J'ai que 15 flèches, faut pas que je déconne. Oh, je l'ai pas touché. Putain, il va tous les cramer. Merde. Je n'aime pas qu'on tue mes PNJ. Don't die, motherfucker. Don't die. First Rodder. Ah merde, je l'ai pas encore, c'est vrai. Allez, viens, mon gros. Oh, Dieu. Merde, une flèche. Putain, mais viens là. Vas-y, descends, descends, descends. Aïe. Ah, putain. C'est vrai que c'est un dragon, ça fait mal. Il est où? Allez, viens, petit bâtard, viens. Oh, je crois que son est buggé. Oh. Putain, il a tiré un géant, on casse les couilles. Ah, vas-y, mais viens, nom de Dieu. Ouza.
Tu m'impressionnes pas, connard. Chiotte. Oh, je l'ai pas achevé, merde. Flèche orc. Ça, c'est la mienne. Ouh, 108 deniers, 3 os de dragon, 3 écailles, 2 flèches, un je sais pas quoi, un casque de garde et une armure de garde. Ah merde. Dommage, je voulais l'achever mais... Oh. Utilisez la section cri du menu magie pour vous équiper du déferlement. Ok. C'est pas ça. C'est dans magie. Pouvoir cri. V pour lancer un cri. C'est le pouvoir d'entendre. Oh, j'ai un fous, mon gars. De dragon. Je suis bon, sidéré. Ça. Vous êtes un enfant de dragon. Oh, je suis sidéré aussi. Parce que je connais le jeu. Dans les récits les plus anciens, qui remontent au temps où il y avait encore des dragons à bord de ciel, les enfants de dragon tuaient ces monstres et volaient leur pouvoir. C'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Vous avez absorbé le pouvoir de ce dragon. Ouais. I don't know what happened to me. Eh bien, vous pouvez crier maintenant. Vous ne le pouviez pas auparavant, si? Cela ne peut signifier qu'une chose. Vous devez être un enfant de dragon. Eh ouais. Les enfants de dragon? De quoi parlez-vous? Je suis fier d'être votre frère d'armes, enfant de dragon. Nous avons appris à ce dragon qu'il ne fallait pas se frotter à Blanchet. Je n'ai jamais entendu dire que Tiber Sentim avait tué des dragons. Fous ! Il n'y avait pas de dragon, imbécile. C'est la première fois qu'ils reviennent depuis une éternité. Bah, il y a un cadavre de dragon sur la route, hein, que ce que je te dise. Hein. Qu'en dites-vous, Irilette ? Vous êtes terriblement silencieux. Allons, Irilette. Dites-vous ! Croyez-vous à ces histoires ? Voilà, c'est bon, j'ai fait le ménage. Vous feriez mieux de vous taire, plutôt que de bavasser sur des sujets dont vous ignorez tout. Nous avons un dragon. Ça peut être sympa pour un petit screen, ça. Et ça, c'est une chose que je peux comprendre. Maintenant, nous savons que nous pouvons... Ah. Mais je n'ai nul besoin d'enfants de dragons mythologiques. Quelqu'un capable de terrasser un dragon me suffit largement. Ah bah, je l'ai pas beaucoup terrassé. Vous n'êtes pas un nordique. J'ai parcouru Tamriel de long en large. J'ai vu des milliers de choses au moins aussi exotiques que ça. Je vous conseille de faire confiance au bras qui tient votre épée, plutôt qu'aux fables et aux légendes. Vous venez de crier à l'instant. C'est forcément ça. Vous êtes vraiment un enfant de dragon, alors. Eh ouais. C'était le combat le plus féroce que j'ai jamais connu. Et j'ai eu mon lot d'affrontements. Je ne sais rien de cette histoire d'enfant de dragon, mais je suis vraiment ravi de vous avoir parmi nous. Vous devriez retourner à Blancherive au plus vite. Le Jarl Balgruf voudra certainement savoir ce qui s'est passé ici. Pas de soucis. Et puis flemme de y aller à pied. Je peux pas choisir. Bah non, évidemment. Eh ben nice. Bientôt niveau 6 en plus. Fous Rodar. En plus, le fous, il s'utilise, le délai de rechargement est assez rapide, donc ça, c'est très cool. Le cri de guerre, bah, je vais plus m'en servir, parce qu'une fois par jour, c'est de la merde. Là. Nous ne voulons pas causer de problème. Là. Tout ce que nous demandons, c'est de pouvoir la chercher. Nous reviendrons. Ce n'est pas terminé. Oula, ouf. Hey vous,
Nous sommes à la recherche de quelqu'un à Blanche Rive et sommes prêts à payer pour obtenir des informations. C'était quoi ça? Oui. Une femme qui ne vient pas d'ici. Une rouge garde, comme nous. Je ne pense pas qu'elle utilise son vrai nom. Nous sommes prêts à payer pour toute information concernant l'endroit où elle se trouve. Nous ne sommes pas les bienvenus ici à Blanche Rive. Vous nous trouverez à Rorikbourg si vous apprenez quelque chose. Cela ne vous regarde pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous payons pour obtenir des informations. Si cela ne vous intéresse pas, je ne vous retiens pas. Nous finirons bien par la trouver. Mais c'est comme ça que tu mènes des recherches, toi ? Vous cherchez Nazim, mon mari ? Bon. Par contre, le coup du Dovahkiin, je sais pas ce que c'était, je sais pas qui m'a appelé, mais j'ai pas vu ça dans les gameplays, moi. Oui. Et par contre, il y a vraiment de l'abus sur les lumières d'ambiance. Hein. T'as l'impression que la ville est en flamme, tu sais. Paris Smir, vous avez réussi. Vous avez tué un dragon. Alors, tes gardes ont touché le dragon. Moi, je me suis pignolé devant. Hein, voilà. La différence, elle est là, c'est que quand il est mort, moi, j'étais en train de me soigner. Puisse ces gris toison finir dans l'oblivion.